c'est Léa. Et lui, c'est Pilou, mon doudou. Oui, il est un peu grand. Nous allons vous présenter le centre Antoine Lacassagne. C'est le meilleur endroit pour soigner les enfants. Elle, c'est Claudie. Bonjour, Andrea. Il est italien. Claudie, elle est trop gentille. J'aimerais bien qu'un jour elle devienne ma maîtresse. Elle explique tellement bien les différentes étapes. Le parcours à suivre au fil des semaines de traitement, que même Pilou a tout compris. Si la maladie se trouve ailleurs que dans la tête, les manipulateurs te feront des petits tatouages. Non, Pilou, pas ce genre de tatouage. Simplement, des petits points qui vont aider les manipulateurs à positionner Andrea tous les jours de la même façon. Ensuite, il y a le scanner. Grâce à ces informations, les physiciens et les dosimétristes ont un plan. Mieux, un super plan! C'est comme ça qu'on l'appelle pour combattre la maladie. C'est enfin le moment de traiter la maladie avec les séances de radiothérapie. Comment ça se passe? Toujours de la même façon. Une fois arrivé, on pose ses affaires et là, il faut choisir son feutre magique. Il y en a à la fraise, à l'orange, mais celui qu'Andrea et son tonton préfèrent, c'est celui à la pomme. Ça sent trop bon. Parce qu'il est encore petit et qu'il ne faut pas bouger pendant la séance, Andrea a une anesthésie. Ça veut tout simplement dire qu'il est endormi. Il faut souffler fort dans le masque pour gonfler le ballon. Tiens, Andrea dort déjà. Ce qui est bien, c'est qu'on ne sent rien. Et pendant ce temps-là, au fil des semaines, la maladie disparaît. Et enfin, c'est la fin du traitement. Oh.